Bonjour. Invitez vos amis. Invitez, invitez. On va avancer. Je vais répondre vite, rapidement, illico presque tout. À Michel Bagbo. Voilà. Je vais lui parler. C'est un petit frère qui me respecte. Et le respect entre nous est mutuel. Mais là, il faut lui parler. Il faut lui parler pour que ça ne se répète plus. Parce que sinon, ah, ça risque de ne pas être bon. Hein? <laughs> ah, non, mais dis donc. Hein? Laza, Laza. Wario, Wario. Partagez la vidéo. Invitez. Taguez Michel Bagbo, là, il va venir. Voilà. Taguez-le, taguez-le. On va se parler. Franchement et sérieusement et honnêtement. Voilà. Il faut se dire les choses. On va mettre deux ch petites chansons et puis on va on va parler à Michel Bago. la dit mmh, ça fait deux jours et hein, ma petite.

Merci, merci pour ton combat. Ça est tout salut. Hein? On va parler à Michel Bagot ou bien? On dit qu'il vient bien chante. bien. Les gens commencent maintenant vraiment hein à nous gonfler. Hein? hein? Muso hum? baby bagbo contrôlé.

Ah, l'argent! L'argent n'est pas bon, hein? J'ai acheté l'argent! <coughs> 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 ah. Michel, bravo, on peut être comme ça? Mon petit frère, je vais te parler. <coughs> Aujourd'hui, c'est parler, moi. Ma. Ah, mais si tu ne changes pas, hein, ce la sera le tirs dans, dans tous les sens. unc je vous ai dit simon gbagbɔ andi je pa. non c'est à dire que maa t'invite. ma salue. tantɛgɛ ma tantɛgɛ ma. non c'est de voir. ma sois ma. ma sois ma patron na. Hein? Hey, hey. Ah, non, l'argent, c'est pas la peine. Mmh. Tous les vieux affaires là, du papa, maman. Il <laughs> n'y a que nous, les pauvres, on s'en fout de ça. <laughs> non. Hein? Hein? non, vraiment. Tu sais, vous avez vu, on fait comme ça? Ah bon C'est pas grave, nous on fait avec. Là. on comprend rien hein. on va écouter une chanson là ça c'est ma chanson préférée hein. je dédie cette chanson à Oman voilà ça là ça les fatigue <laughs> ah José Oman les a accélérés <laughs> ah, eh?

Michel Barbeau, il va venir ici. Ali, je dirais que j'ai gagné sans s'en dire, petit. Hein? Oh! Il a tout dans les yeux. Il n'a pas laissé le temps de réfléchir. Il n'est pas que beau, pas que bien. Non, Il a ce petit truc qui me fait fermer. C'est pas le blé, pas le côté. Si c'était que ça, il me l'a bien. Soit salué. Tout le bois. Tout là-bas. Venu les élevés de Dieu. Sois salué. Je Baguette Michel Bagou, On va lui tirer les <c government> <Vierolais statistics Just�> oreilles ah. qui sont déjà longues. Pourquoi c'est tombé? Il a ce style sur si subtil qu'on ne me bagarre pas, il dégage cette magie, qui veut me dire le gars m'a accéléré, je n'ai rien vu venir dans son panneau, je suis tombé, le gars m'a accéléré, maman les a accélérés, ça c'est une vidéo rapide, hein? Eh? il valait que je parle à michel gbagbo parce que si on lui parle pas là il pense que c' est normand depuis qu la fin il a vu déjà les repliques en tout cas les frappes hein. mc si gorus oise allié la grande eau la plus méchante de la terre mondiale moins emplacabiliseux de l' émi

Voilà, soyez salué, salués. Soyez salués, est famille. Soyez salués depuis votre position. C'est votre soeur, Naomi, veut t'aider toujours la même. Maman de certains, grande soeur de certains, petite soeur de certains. Et voilà, mamie de certains. Je fais cette vidéo suite à ce que l'interview de Michel Bagbo, mon jeune frère Michel Bagbo, sur une chaîne de télé. Dans laquelle Michel Bagbo stipule que ceux qui insultent Maman Simone, l'ex, voilà sur ses propos, hein, l'ex-femme de Laurent Bagbo, Simone Bagbo, et son actuelle femme Nadi Bamba, insultent Laurent Bagbo. Michel Bagbo, <laughs> moi je vais te répondre. Je ne sais pas, peut-être que tu as euh, une, la mémoire courte, hein. Ou je ne sais pas, euh, avec tous les diplômes que tu as, je ne sais pas si hein, à un certain moment, tu as arrêté de réfléchir. Quand on dit femme, là, femme, ça veut dire mariée légalement. Toi déjà, tu as divorcé maman Simone et ton papa. Petit, je ne sais pas à quoi tu joues. Ce que je viens te dire ce soir, là. Comme la même fois où tu avais fait la collade à euh, John Soro à l'époque où nous étions des ennemis jurés. Je t'ai appelé et puis je t'ai parlé. On a échangé longtemps, je reviens encore vers toi, Michel. Nadi Bamba, ce n'est pas la femme de Laurent Gbagbo. Et si on insulte Nadi Bamba, on n'insulte pas Laurent Gbagbo. Si on insulte Simone Bagbo, on insulte Laurent Gabo. Ok? Toi qui es le fils de Laurent Babo, tu étais sur la toile ici, hein? Quand les squelettes là s'agitaient sur la toile à insulter celle qui t'a qui élevé, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, tu n'as pas levé un seul doigt, petit doigt, tu n'as rien dit. Tu as fait comme si tu n'étais pas au courant. Mais aujourd'hui, parce que Nadi est aussi on réplique sur Nadi Bamba, et comme tu sais qu'elle est en. En perte de vitesse, comme tu sais qu'elle est vraiment en déphasage, elle a peur, elle est déjà perdante dans le combat, tu viens à sa rescousse. Petit, je dis, si tu fais partie du club des sorciers, si tu es dans le ballet des sorciers, dis-nous pourquoi on, on crée une chanson hein, qui sera à la hauteur de tes pas. Dis-nous pourquoi on ne. Je ne sais pas. On joue la musique que tu seras capable de danser. Parce que là où on est, là, on est prêt. Il hein. ne faut pas voir la vérité et puis ne pas faire en semblant de ne pas, de, de, de ne pas la voir. Simone Bagot, ce n'est pas à nous de te dire quels sont les liens qui te relient. Aujourd'hui, tu ne la connais pas. Hein. Tout ce qu'elle a fait dans ton enfance, même si elle n'a rien fait le peu, même qu'elle t'a donné de l'eau à boire, tu ne sais pas. Tu as vu Nadi Bamba, tu suis. C'est-à-dire tu suis le rythme des gens tu es en train parce que tu aujourd'hui là tu es député tu cherches un poste de maire nous on vous attend tous petit faut pas rentrer dans ce que tu ne peux pas supporter faut pas rentrer tu es un homme tu es le fils de ton père c'est toi qui dois parler à ton père parler à ta maman Simone Bagbo tu ne dois pas prendre de part. Ce que tu es en train de faire là, quand tu dis tu ne prends pas parti là, mon petit, tu te moques de nous. Parce que quand on ne prend pas parti là, dès que ça commence, tu parles. Quand tu vois ta maman en train d'être vilipendée, insultée, humiliée, tu vas vers elle, elle pour la réconforter. Est-ce que tu l'as fait? Mais quand il s'agit de cette chienne, Nadi Bamba, là, tu viens parler. Moi, quand j'insulte Nadi Bamba, je n'insulte pas Loro. Quand j'insulte Nadi Bamba là, parce que moi je sais que Nadi est en train de fausser mon combat, je n'incite pas Bagbo Laurent. Ces deux personnes différentes. Quand je parle, si j'insultais Simone Bagbo, tu peux me dire que j'incite Bagbo Laurent. Mais Nadi elle est qui? L'espionne mise là pour fausser le combat? Pour nous retarder dans la, la, la lutte? Tu veux comparer Nadi Bamba à Simone Bagbo? Mais si le président Laurent Bagbo dit que si on parle de Nadi, on parle de lui, c'est à lui de voir. J'ai dit au point où on est arrivé là, rien ne peut nous freiner désormais. C'est à lui de voir. S'il veut porter le karma des Nadis, c'est à lui de voir. S'il veut s'accaparer le combat, la défense des Nadis, il prendra les coups qu'il faut et là où il faut. Donc, respecter les Ivoiriens. Tu as vu aujourd'hui là, ton intervention, tu as vu les répliques, les ripostes, ce ne sont pas fait attendre. On va vous dire, hein, nous, on n'est pas là pour vos bêtises. Laurent Bagbo, on est. Si, euh, Michel Bagbo, on aime Laurent Bagbo. On vous aime. Mais si vous voulez nous prendre pour des de bons rien, on va vous répondre. Tu ne peux pas comparer Simone Bagbo à Nadi Bamba. Qui est Nadi Bamba Qui connaît Nadi Bamba Qu'est-ce qu'elle a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire Tu peux nous dire aujourd'hui. À part vendre la Côte d'Ivoire. Hein? À l'impérialisme. À ne pas être là pour, pour nous faire, pour traver, vouloir travestir l'histoire. À ne pas être là pour, pour comment dirais-je, tourner le génocide ouais en autre chose. Pour innocenter ses amis, les rebelles. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour nous Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de nous emmerder. On vous respecte. Mais respectez-nous. Sois salué, mon fils Baluna Balou Nagbalou. Merci pour ton combat. On se capte tout à l'heure pour ma petite contribution. Il faut arrêter. Mais vous êtes là dans du faux. On vous dit sortez de là où vous êtes. Et puis vous êtes là. Oui. Vous pensez que c'est ça qui va nous freiner Parce que toi, tu dis si on insulte Nadi Baba on insulte Laurent Gbagbo. Mais Nadi Baba, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Mais Simone Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. OK Simone Gbagbo, si tu ne peux rien dire, Michel, dans ce qui se passe là, la méchanceté que vous êtes en train de faire comme la, contre la première dame, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler comme un homme, mets-la en veilleuse et trace ton chemin. OK Parce que tu as déçu beaucoup de monde. Hein. Tu as déçu. Là, je vais mollo avec toi. Je vais mollo par respect d'une personne qui est très proche de toi que j'ai appelé tout à l'heure et qui est très éprouvée, je voulais lui parler pour qu'elle te parle. Et qui est très éprouvée, je ne pouvais pas, en, en plus du chagrin qu'elle a, rajouter toi tes bêtises. Donc, de grâce, si tu ne peux pas nous arranger là, il ne faut pas nous déranger. Nadie Bamba là, c'est maintenant que tu sais parler. C'est maintenant que ça t'a pris. Tu as été piqué par la bête qui pousse à parler. C'est maintenant? Tu n'étais pas là sur la toile qu'on a insulté. Maman Simone, sa maman, jusqu'à son intimité, tu n'étais pas là. Donc, parce qu'elle, là, elle, elle n'a pas d'argent. Elle ne vous intéresse pas parce qu'elle n'est pas productive. Donc, vous vous en foutez. Vous cherchez là où vous devez manger. Mais nous, on va vous dire la vérité. Michel, si tu ne restes pas à ta place, si tu veux rentrer dans le ballet des sorcières, on va jouer le son qu'il faut pour toi. Chacun aura sa musique. Arrêtez de nous emmerder. Ne confondez pas l'inconfondable. Arrêtez. Parce que Simone Bagola, ce n'est pas comme Nadi Bamba. Moi, je peux insulter Nadi Bamba et je vais l'insulter tant que j'ai le souffre. Parce qu'elle mérite. Elle le mérite. Elle a caché le. A... C'est une euh, personne qui détruit. Les... Une voleuse de mari. Elle détruit les couples. On va lui... je, vais, je vais la respecter. Pourquoi? Sois salué, ma petite soeur Laurent Dorothy. Dieu, papi, mon fils, soit salué. Je vais la respecter, pourquoi? Hein? Depuis là, on attendait que tu parles. C'est toi qui représentais, tu représentais le, 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 la famille Bagbo quand ton papa était en prison. Mais tu n'as rien dit, tu étais sur la toile ici, tu ne vas pas dire que tu ne vois pas. Si c'est pour sortir des inepties, là, tu sais parler, tu sais répondre aux journalistes. Il faut arrêter, hein? Ce que tu es en train de faire là, ça nous pousse. Il ne faut pas te, te livrer aux gens. Tu as vu Les Aïcha Kone qui se sont livrés, là, on est en train de les déguster comme une glace en été. Donc si tu veux là, c'est toi qui vois. Si tu veux te comparer, tu veux comparer ton papa à Nadi Bamba, c'est toi qui vois. Tu veux aussi l'exposer, mais expose-le. Tu prendras les retombées. Tu verras les retombées. Expose-le. Si vous incitez Nadi Bamba, vous bochez de Nadi Bamba, que vous incitez Babo Qui est Nadi Bamba Elle est quoi Et elle sera qui Qui est Nadi Bamba Qui la connaît Qui la connaît On parle des femmes, tu viens nous parler des des, des, des racailles, des, comment dirais-je hein? On te parle des femmes, on te parle des icônes, on te parle de Simone Bago. Qui vient comparer Simone C'est une insulte, même déjà, à la, envers la première dame. Comparer Simone Bagbo à, à Nadine Bamba. Tu penses qu'on est dans une histoire de, de, de promotion canapé On parle des femmes intellectuelles. Tu vas venir nous parler des dégonflés, là hein? Il faut arrêter. Arrêtez. Si vous respectez aussi, vous voulez qu'on respecte Nadine Bamba, là, dites-lui de se mettre dans son coin. Là, là où on est, les tiges sont frappantes. Et puis, on rigole plus. Donc si elle approche, si elle passe, elle va prendre une balle perdue. C'est de ça qu'on parle. Qu'il faut dire Si vous insultez, hey, faut arrêter hein. Faut arrêter même quand tu dis ça là, tu la vends moins cher. On va l'insulter jusqu'à son intimité. C'est de ça qu'on parle. Tu crois qu'on est là pour jouer Tu crois qu'on est là pour jouer vraiment Tu penses que c'est ça que quand tu vas dire là et puis on va se reculer Ça là, ça nous fait même avancer encore et puis on est encore Conflé à bloc Con Nadie bamba si vous incitez le Nadi bamba vous incitez Laurent Babo Nadi bamba c'est Laurent Bagbo, Hein Nadi bamba c'est Laurent Bagbo. Simon Bagbo c'est Laurent ne Faut pas comparer les serpillers et les torchons On te parle des femmes tu viens de nous parler des femmes lettres On te dit les femmes les vraies femmes avec un grand F. C'est de ça on parle Arrête de nous distraire si tu n'as rien à dire là, où tu vas là, dans tes interviews, il y a les prisonniers politiques qui sont dedans. Depuis dix ans, plus de dix ans, ton père est libéré. Il faut que Ouattara les libère. Toi, tu étais le représentant de ceux-là. Parle de ça. Au lieu de venir nous parler de cette serpillère là des qui se prend pour une, une personne importante. Qu'elle criait à l'aéroport Tu ne voyais pas ça? Que ça allait lui tomber sur la gueule? Mais c'est ça, quand on crache en l'air, on reçoit. Qu'elle s'excitait partout, là. Elle se prenait pour une première dame, qu'elle n'est pas. Nous, on va lui dire, ça n'est rien. Aujourd'hui, là, ton papa, là, il a divorcé avec Simone Babo. C'est toi qui la mets en ex. Il faut arrêter, un hein, petit. Il faut te blême. Il faut arrêter là où on est là. Il ne faut pas t'amuser, hein. C'est toi qui les as divorcés, c'est ton souhait. Mais ton souhait là, au nom de Jésus, ça ne va pas se réaliser. C'est moi qui te dis ça. Ton souhait là, Dieu ne permettra pas ça. La honte là, ça sera pour vous. Continue avec les sorciers là. Les Lorignons là, ont commencé à avoir honte, non Ton groupe là de sorciers là. Hein Ont commencé à avoir honte. Patricia Guibano, sois salue ma petite soeur. Ton groupe là, ils ont commencé à avoir honte. Continue. Associe-toi à ces sorciers là, ambulants qui sont en train de errer pour détruire les couples. Faut t'associer avec, à eux. La honte, là, ça sera pour toi. Faut continuer. Tu penses que ce que tu es en train de faire, là, c'est une bonne chose. Tu penses que tu es dans la vérité. C'est toi-même, là. Ça nous revient. C'est toi, le petit fouteur des merde. Il faut arrêter, Michel Gbagbo. Faut arrêter. Faut arrêter. Là, là, je te parle. Ça, là, c'est avec les gants, hein. Attention à toi. C'est avec les gants qu'il faut arrêter. Parce que si vous ne voulez pas, si tu veux manquer de respect, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est un manque de respect à Simone Babo. Hein? C'est un manque de respect à Simone Babo. Bonsoir ma grande OMC. C'est un manque de respect. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, toi un intellectuel. L'ex-femme, tu les as déjà divorcés? C'est la sorcellerie dans laquelle vous êtes là, qu'on veut nous, là. On va te désembouter. On va te désembouter, je te dis. Si tu ne sors pas de cette sorcellerie-là, c'est ça ton souhait Qui divorce celle-là qui veut tuer ton père C'est ça. On a vu ça en Afrique ici, des gens qui ont été assassinés qui, par leurs enfants. C'est ça, tu veux faire partie de ce clan hein? Parce que ce que tu es en fait, train de faire là, cette femme-là, tu sais très bien, tu sais son rôle auprès de ton, ton père et tu pousses ton père dedans tu es là en train de le divorcer d'avec sa femme dont il est marié depuis plus de 30 ans. Toi, tu es en train de dire, ex-femme, tu les as déjà mis en ex. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. On voit tes, tes écrits. Hein? L'autre fois, c'était oui, on ne peut pas transformer le PPACI en une église. C'est grâce à Dieu que toi, tu n'es pas mort dans les géoles de Draman Ouattara. Si tu as oublié, moi, je vais te dire. C'est parce que Dieu était là que tu n'es pas mort. Quand ils t'ont pris comme un rat palmiste dans le trou là, c'est Dieu qui était là, qui a protégé ton âme. Si tu ne sais pas là, si tu ne veux pas reconnaître la suprématie de Dieu là, il va s'occuper de vous. Vous êtes là et puis vous faites des choses comme. Toi, tu, tu, Si tu peux rien dire, tais-toi. Depuis, on ne t'a pas entendu. Nous, on expliquait ça, on disait, on disait que Michel, c'est quelqu'un de calme, de timide. Ah, donc, tu sais parler. Gibo Glouame, tu sais parler. Faut nous dire si tu sais parler. Nous, on t'avait excusé, hein. On t'avait dit que c'est, on s'était dit c'est un jeune qui est calme, bien élevé, qui parle pas. Mais donc, tu sais parler. Donc, c'est exprès que tu faisais. Quand on dit, certains disaient que c'est toi-même qui es l'initiateur de toutes ces attaques-là. Donc, c'est la vérité. Parce que tu es venu plonger là-dedans, dans, dans le, sur le carreau où il n'y a pas d'eau. Tu as confondu même la piscine et le carreau. Tu t'es écrasé là maintenant. Et puis nous, on est en train de te regarder. Il faut arrêter, petit. Il faut te calmer. Revois-toi. Revois-toi parce que tu as un avenir politique à défendre. Mais si tu ne connais pas là, nous, on va te payer dans les urnes. Ce que ton papa est venu, il a fait là qui nous a déjà même affaibli. qui vous avez parlé, non Afin en haut. Oh. il est comme ça l'enveloppe oh. enveloppe vide, on a vu enveloppe vide là aujourd'hui. Il y a des millions de personnes dans l'enveloppe vide. Vous avez fait, non? Les Ivoiriens sont en train de se détourner. Au lieu de toi recoller les morceaux, tu es dans les jupons de l'Orun là en train de faire de la foutre de la merde aussi, comme ces vieilles racailles-là qui, qui sont des fouteuses de merde. Il faut sortir de là. Il faut, si tu veux faire la politique, c'est toi qui vois. Si tu veux aussi arrêter, ou dans les cinq ans, on va te balayer de Yopougon, c'est toi qui vois. Tu ne sais pas que Simone Bagbo, elle pèse. C'est elle qui fait le poids, et puis ton papa aujourd'hui, là, tout le monde entier le respect. Parce que leurs deux forces, là, ensemble, c'est puissant. Toi, tu ne sais pas ça. Tu penses qu'aujourd'hui, là, vous allez chasser Simone Bagbo et puis toi, on va te donner la mairie de Yopougon. Tu, as, tu te mets le doigt dans l'œil, mon petit. Redescends sur cette terre. Va pas. Écoute pas ces vieilles eh, racailles-là qui sont hein, des vergondés-là qui sont là. Ils pensent que la politique, c'est gros bras. Non, non. Hein? Donc réfléchis à ce que tu fais, Michel Bagbo. Réfléchis à ce que tu fais. Tu vas mon petit frère Ali Doucouré de Fila. De Delaware. Hmm. Non, réfléchis. C'est quoi ça Hein? Une affaire titille soit salué depuis ta position, ma fille. Hein? C'est quoi ça? Vous êtes là euh, en train de mélanger la dame, l'autre ici, lève ici, il tape sur elle. C'est quoi? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi elle noé? Pour Noah dit, vous doit quoi? dites nous on va payer. Dites ce qu'elle doit. Pourquoi Nadi va venir vous. Je dis, Nadie là, moi je dis, c'est une chienne. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Que si, si prenez comme vous voulez. Si vous dites que si on incite Nadi, c'est on a Laurent Gbagbo et puis nous on va arrêter. Vous fatiguez dans le film. Oh, c'est vous nous connaissez même. Vous fatiguez dans le film. C'est de la fulguration. On ne va pas laisser Nadie. Si c'est ça là, tu penses, moi, mon gros nez là, c'est ça, que tu penses que ça va calmer. Je te vois venir, petit. On te voit, on t'a vu venir. C'est une manière de nous faire. Où on est là, on dit. On tire dans tous les sens. Même si ton papa veut venir prendre la défense de Nadi, il prendra les balles perdues. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Donc, si tu es intelligent, tu dois parler à ton papa. Ne mêle pas de ce qui se passe entre Nadi, ta petite femme et les autres. Mets-toi hors. Oh, si tu dis pas ça, là, tu penses que c'est ça là qui va nous calmer où nous on est là. Quelqu'un peut, peut avoir sentiment de quelqu'un où on est aujourd'hui là. Où on est brisé et puis on est assis là. On peut avoir sentiment de quelqu'un pour nous freiner dans notre élan. Hein? Attaquer Nadie. Il n'y a personne. Même ce que tu dis là, ça nous grise sur la peau et puis on fonce dans elle. Il faut arrêter. C'est quoi ces conneries là Nadie hein? Bamba, c'est camarade de Simone Babou. Elle n'a qu'à apprendre déjà à se mettre au pas, à être coquette, à être chose. Elle va venir là, hein, à ces friperies là, qu'elle vient nous emmerder. Hein, que si vous incitez Nadi, vous avez incité Simone et Laurent Gbagbo. Beau de Nadi. Ah, arrêtez vos bêtises. Nadi, c'est pas Laurent Gbagbo. Voilà. Laurent Gbagbo là, c'est Simone Gbagbo. C'est pas Nadi Bamba. Quoi, ex femme? Celle-là, elle sera jamais nouvelle femme. Mets-toi dans ta tête. Ce que tu es en train de faire, la honte là, ça sera pour toi. Continue. La honte, là, ça sera pour toi. Ça ne sera pas pour Simone Gabo. Ni pour nous. Ça ne sera pas pour eux, pour nous. Ça sera pour toi, pour vous, là, la Nadi Gang. Toi aussi, tu es rentré dans ça là maintenant. C'est ça là. Tu n'as même pas honte. Tu as tes petites soeurs qui sont là, qui sont sur la toile, qui te regardent. Et tu vas raconter des bêtises comme ça. Tu vas combattre leur mère. Après, tu vas venir rigoler. Ce sont tes petites soeurs. Respectez les gens un peu. Ayez peur de Dieu. Voilà. Ayez peur de Dieu parce que de là où tu viens, là, ce n'est pas petit. Dieu sait pourquoi il t'a enlevé là. Donc, respecte Dieu. Ne venez pas pour vouloir dénigrer cette femme-là pour Nadi Bamba. Qui est Nadi Bamba Serpierre qu'on a dit Bamba. N'y a rien dit Bamba. Arrêtez de nous emmerder. Parce que vous faites qu'on va l'insulter même dans son intimité. Il faut arrêter de nous emmerder. Là où moi je suis là, quand j'entends des choses comme ça, là, ça me met hors de moi. Voilà. Si je vous devais me retenir, ça me fait vraiment mon sang bouillonne. Qu'on a dit Bamba. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Nadi Bamba Si il veut, le président veut, il prend ça comme ça. Nous, on ne l'a pas incité. On insulte Nadi parce qu'elle est espionne. Voilà. Elle est au service de l'impérialisme. Ça, on ne peut pas dire. Si vous s'il si aime, c'est son problème. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Nadi Bamba? Nadi Bamba, c'est dents pourries là, c'est moi qui dis ça. On a qu'à détâter ça d'abord avant de venir se prendre. Pour, est, ça, c'est entré en matière. J'ai dit la prochaine fois, si j'entends, si vous incitez Babo, j'ai dit je vais m'asseoir et puis c'est son nien même, je vais insulter Faut arrêter de nous emmerder. C'est tout ce que vous dites, je peux vous dire. Arrêtez. Nadila, là, ce pas Simone Babo. c'est pas Laurent Babo. C'est une destructrice de, 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 de foyer. Voilà. Une voleuse de Marine Chisa. S'il veut, là. J'ai dit, celui qui veut, il prend ça. Moi, rien, plus rien ne me retient. Donc, arrêtez. Vous, les fanatiques de Nadi, c'est votre problème. Voilà. Elle a foutu la merde dans un couple mythique. Donc, elles ne viennent pas chercher à ce con. elle a fait quoi qu'est-ce qu'elle a fait faire avec l'impérialiste et puis on va dire va au côté du monsieur hein, pour faire le travail c'est ça nous on va respecter Chisa international oh arrêtez <coughs> moi j'ai perdu mon temps à respecter n'aucun respecter les gens hein. arrêtez ça c'est pas pas la femme de Gabo Laurent je respecte Maman Simone point barre. le reste là je me torche avec la tête de Nadia et ça, là, je le dis, s'il faut aller en prison, là, là aujourd'hui, là, si je vais en prison, je vais pour quelque chose. Donc, autant que je me défoule. Voilà, Nadine a qu'à déposer toutes les plaintes du monde. Vous fatiguez les gens. Les gens sont là, on est, hein? on a des problèmes avec tout ça, là. Vous allez venir faire des choses. On a fait dix années de combat. les gens sont, nos amis sont morts. Vous ne voyez pas ça, vous allez venir nous dire, c'est lui qui incite, il n'y a rien. Après, Bamba, il a incité Gabo Laurent. de a dit. A dit oh. Arrêtez de nous emmerder. Je ne veux même pas entendre son nom. Arrêtez de nous emmerder. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à amener où ils veulent. Voilà. Ils n'ont qu'à amener où ils veulent. La force tranquille. Bisous là-bas, ma fille. Attends. Les gens. Attends. Hein? Ils élèvent les gens. C'est quoi ça? Les gens sont. On ne sait même pas. Bien goûté, là, son passeport bloqué. Vous ne parlez pas de ça. Quand vous partez sur les plateaux, là, rien. C'est pour venir parler de Nadi Bamba. Qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est ça qui va réveiller Manga. Ben Soumaro, on a pris sa tête. Tête d'un mort, on est parti l'enlever, prendre ça. Ça, là, ce n'est pas grave. Vous allez venir nous faire chanter les louanges de Nadi tout le temps. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire Qu'est-ce qu'elle a fait même de bien pour la Côte d'Ivoire Diviser les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, il y a Clan Simone, il y a Clan elle, C'est qui n'a rien fait de bon sur pour les Ivoiriens. Vous allez, une femme qui a donné sa poitrine comme Simone Gbagbo, vous la comparez à une Thoyon, une tisane? Oh, arrêtez. Arrêtez de nous emmerder. J'ai dit, on est fatigué de votre histoire de Nadila. Si ce n'est pas chanté, pata, pata, c'est toi qui vas venir. Si on parle de Nadi, c'est Nadi. Vous pensez que notre ville va tourner autour de Nadi? Mais quoi, Mouti, ça que Nadi Bamba. Qui est Nadi Bamba? Qui la connaît? Moi, je vous ai dit, j'ai dit, celle-là, c'est ma cliente. Quand ça va me chier dans la tête, je chie dessus elle. C'est de ça qu'on parle. Arrêtez de, m de nous énerver. Ça, ça nous énerve. C'est vous qui qu l'exposez. Ça nous énerve. Quand j'entends son nom, même là, on dirait que c'est comme tu mets du feu sur mille pattes et puis il tourne dans tous les sens. Ça m'énerve. Arrêtez de nous emmerder avec cette histoire de Nadi Bamba. On a des choses à faire. Le président Laurent Babo, ton papa là, il est en prison. Tu trouves normal que ceux qui ont fait la lutte. Il ne doit pas voir un tel. Il ne doit pas voir un tel. Il ne doit pas voir un tel. Ça doit passer par celle-là qui a les chicots, on dirait fagots, qui a duré dans l'eau. Quelle est la première dame? Chienne de race, sans race. Arrêtez, hein? On s'en fout de Nadi. On s'en fout de Watara. Ce n'est pas Nadi Bamba qui va nous faire peur. Oh. Un connerie comme ça pour les femmes de mon père. C'est toi qui la vois en femme de ton père, hein? la femme de tout le monde. Arrêtez de nous emmerder. Conorie, là. Vous pensez que nous, on va trier les déchets pour mettre dans la poubelle déchets, même, on dit de faire plusieurs poubelles. Les gens ont du mal. C'est pas ça, là. On va trier. Faut arrêter, Michel. Faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Si tu veux qu'on respecte cette guise-là, tu ne parles pas d'elle, Tu lui dis de se mettre à sa place. Elle n'a qu'à quitter sur notre passage parce qu'elle va prendre des balles. Il faut arrêter des balles perdues. Il faut arrêter. Plus tu dis ça là, ça là, on ne va pas. Ce n'est pas ça même qui va faire qu'on va s'éteindre. Si on incite eh, Nadie, si on incite Simon, on incite Bagbo. Si on incite Nadie, on incite une tisa qui est zéro et qui ne sera rien. Ce mariage-là, mettez-vous dans la tête. Vous n'aurez l'aurez pas. Voilà. Divorce, là, il ne va pas se faire. Dans vos plans, là. Blaguez-vous. C'est Dieu qui va gérer ça. Blaguez-vous. On ne vous donnera pas ce mariage. De ça, on parle. On a dit. Elle va se fatiguer, là, et puis elle va partir. Regardez seulement. Vous pensez que Dieu, là, il est, il est, il est gaou. Il est assis dans le ciel comme ça, et puis il n'a rien à faire. Il contrôle la situation. Et il a sa main sur Simone Bagou. Vous fatiguez tout ce que vous êtes en train de planifier, ça n'ira nulle part. Il n'y aura aucun divorce à l'horizon. Vous pouvez avoir la certitude. Parce que Dieu, c'est un Dieu. Quand il promet, il le fait. Voilà. Vous avez commencé, non Un <laughs> comme ça. Vous voulez que 2025, là, le monsieur, la reste là. Peut-être que vous dites enveloppe, dites la même, il va vous surprendre. Par défaut, les gens iront chez fille. Vous voulez dévoter Ouattara. Regardez seulement. Vous pensez que les gens sont dans les bêtises. On n'est pas plus dans le fanatisme. Fanatisme, là, on était dedans. Mais le 17 juin, là, cette chienne que tu appelles qu'on insulte et puis on insulte ton papa, là, c'est elle qui a foutu le combat dans l'eau. Si tu ne sais pas. Donc, moi, là, je n'ai aucun respect pour elle. Voilà. Aucun respect. Parce qu'elle n'a pas eu de respect pour nous. Si elle avait le respect pour nous là, elle serait restée cachée comme elle était. Il allait venir et puis le combat était fait. Mais parce qu'elle ne veut pas respect. Donc elle est venue se livrer à nous, on va lui mettre des dents, bien comme il faut. Donc arrête, arrête de nous saouler avec ça. Nadie, ce n'est pas Gabo Laurent. Dis plutôt, n'incitez pas Simon Gabo parce que vous incitez Laurent Gbagbo. Parce que c'est ça, son épouse et sa camarade de combat. Et tu vas nous parler des maîtresses. Vous pensez que c'est ça, là? C'est quel exemple pour vous voulez que les Ivoiriens prennent sur vous? Avoir des maîtresses à gauche, à droite? Arrêtez, hein. n'est pas là dans vos bêtises, là. On n'a pas envie de parler. Vous êtes là, vous cassez les biens aux gens. Arrêtez. Là, là où on est, là, on n'est plus dans le jeu. Là, dis là, moi, je m'en fous d'elle aujourd'hui ni demain. Je n'ai aucun respect pour elle. C'est ça qui est là. Aucun respect. Celui qui va me demander, mais respecte, n'a dit je t'insulte pour te mettre dessus. Tellement je la déteste. Pourquoi je vais perdre mon temps à respecter quelqu'un comme ça qui n'a pas des de, de valeurs, qui ne respecte pas les valeurs humaines? Tu vas voir un monsieur qui est là avec sa femme, toi, le gamin de 20 ans, tu vas fouiller dans le pantalon de, 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 hein, de ton papa. C'est ça on va respecter. Et il faut la respecter. Maudia des Nadi. Hmm. Plus vous dites ça, plus même elle prend des balles perdues. On la déteste. Et je ne suis pas la seule. Toute l'Afrique la déteste. Elle n'a qu'à faire tourner africaine, celle-là, on va voir. il n'a qu'à faire tourner. Et il va l'amener avec. Celle-là, ils vont comprendre. Elle est partie au Congo là. Les gens n'ont pas caché leur femme. Hein? Les, les, les hommes là. Les femmes ont caché leur mari. Est là, quel exemple elle donne hmm. Elle, est, elle a vu réception du Congo. Est-ce que si c'était en bas, le président Laurent Babou allait être reçu comme ça? Oh. Excusez-moi, je suis trop énervé aujourd'hui. Désolé. Donc, famille, c'était ma réplique, hein? c'était ma réponse à Michel Bagou. Désormais, là, qui sache parler. Quand il va sur les chaînes de télé, là, c'est le moment de parler des prisonniers qui sont dans les géodes du, du bouvier criminel Draman Ouattara. Et le moment de demander le passeport de son frère, Charles Blegoudé, qui est en prison là-bas parce qu'il a pris le combat de la Côte d'Ivoire à bras-le-corps. Ce n'est pas pour venir nous dire que ceux qui insultent Simone Gbagbo, il doit dire, ceux qui incitent Simone Gbagbo, ils incitent Laurent Gbagbo. Mais qu'il n'aille pas parler de cette... Ça m'énerve, ce déchet-là qu'il appelle euh, les femmes des choses-là. Qu'il arrête de ça de nous emmerder. Parce que ça, ce n'est pas une image... Euh, et quelque chose d'exemple, de, 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 de modèle pour la jeunesse africaine. Voilà. Donc il faut que les gens arrêtent. Nadine Bamba, n'est rien. Elle ne sera rien, c'est une merde. C'est ce que je dis. Et c'est ce qu'elle représente. Donc qu'on ne vienne pas nous saouler à longueur de journée, nous parler de Nadine Bamba. Elle n'est rien. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne retient rien d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui qu'on peut enseigner aux enfants vous aviez eu un président qui avait deux femmes, qui est venu de l'AE, après dix ans, qui est venu avec une maîtresse. C'est ça qu'on va dire aux enfants. Ça, c'est la honte. Donc, arrête. Il ne faut pas perdurer ça. Il ne faut pas perpétuer ça. La honte, là. Il ne faut pas perpétuer ça pour que ça reste dans les... On doit faire... Nous, même si ça pouvait... On pouvait devenir amnésique, même si on oublie ça, ça ne reste pas, on allait le faire. Ah, tu vas venir nous parler encore des des, des conneries qui nous ont traumatisé le 17 là, qui ont fait même que d'autres, certains de nos amis sont morts, tu vas venir nous saouler avec ça. Il faut arrêter hein. Donc t'en as dit là. Moi je dis ça là, comme ça. Rien à foutre de sa gueule. Et ça je le dis. Un criminel comme ça qui passe son temps à chercher à éliminer les gens, à venir. Ça pitoyait sur son sort. Si on a incité, on a incité Barbeau Laurent. Moi, je l'insulte. Et puis je n'insulte pas Bagbo Laurent. J'ai dit Nadia est une merde. Bagbo Laurent, c'est un, une icône. Et je respecte Bagbo Laurent. Je respecte Simone Bagbo. Je n'ai rien à foutre. Je respecte le ministre Charles Blegoudé Parce qu'ils ont porté quelque chose. ont apporté quelque chose dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va dire qu'est-ce qu'elle a apporté Des, yeah. Jambes légères, c'est ça, on va raconter aux enfants. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Qu'est-ce qu'elle a, qu a fait? Manipuler les médias, raconter des inepties, des mensonges grossiers sur si Simone Gbagbo, c'est ça, on va être retenu d'elle, c'est tout. Et ça, là, ça n'intéresse personne. Donc, on n'en a rien à foutre. Donc, sur cela, c'est Naomi, Michel Gbagbo. Donc, tu as vertu. Ça, c'est des sommations. La prochaine fois, là, je vais rentrer dans son intimité pour sortir des réels. Ça là, si tu ne peux pas entendre des grossièretés sur ta petite maman, tu évites de parler d'elle. Parce que rien que son nom, je pense à tous ceux qui sont morts. Les belles sous hein qu'on a chasser jusqu'à leur, leur tombe. Hein, je pense à ça. Au mangae Désiré Tagro, qui ont reçu des balles dans la bouche. Bon, va après, privé des soins. C'est ça qu'on doit parler de ça. On ne va pas venir nous parler des PSI. Faire ce silicone qui rapporte rien dans la vie des Ivoiriens. C'est ça là qui va faire quoi? On ne fait rien avec ça. Oh. Je vous emmerdez avec votre nadivamba. Arrêtez de nous saouler. Donc si c'est ce, Naomi. <laughs> ah, toujours la même. La Ça, On s'en fout. Là où on est, là, on est. On est, on est, on est, on est brisé. On est déjà né. On va faire quoi? Donc arrêtez de nous saouler. Hein.

Et, ça la, elle va être collée sur ta vie. Reste là. Ah, je, vous qui envoyez la demande, la Facebook, c'est compliqué actuellement. Hein? Compliqué actuellement. Il faut que j'ai un téléphone pour faire.. Je, donc, famille, vraiment, c'était mon coup de gueule à Michel Babo. Je vais tout faire pour lui parler de dix voix, pour qu'il comprenne que... Edith Lago, toi-même tu connais affaire là, ils ne veulent pas. Oh, vraiment. Quand tu dis que tu ne vas pas t'énerver, il y a un qui va te sortir des gonds, de tes gonds, pour que tu, 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 tu parles. Pas possible, ça. On est là, comment faire? Au lieu de parler, à, aller parler à ta maman. Tu ne cherches même pas à voir ta maman hein, pour parler. Non. Tu es dans les jupons de Nadi, papa, ma maman. Mais, quoi, tu arrête, Michel, arrête. arrête. Ça là, je m'amuse en disant pour Mais tu m'énerves. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça là. Tu as des enfants, tu as des filles. Demain, là, si on fait ça à ta fille qui s'est mariée, tu vas aimer ça. Pourquoi tu es comme ça? Hein? On a marché pour des gens aujourd'hui, on est déçus. Pourquoi tu. Toi, pour toi là même, pour voir comment on a pris des coups. Pas de teuil, là on a fait le tour jusqu'en machin pourquoi on te laisse vélo? Nous qui avons. En... Ceux-mêmes qui n'ont pas fait vélo. Hein. Depuis l'heure, ils ont fait voler, mais ils sont tombés. À cause de toi, pourquoi tu viennes sortir des conneries comme ça? Tu ne vois pas Alette qu'elle a ainsi qu ta belle, ta maman. Tu ne vois pas Alette? Tu veux qu'on te fasse des seins Tu as su les réseaux sociaux. Maintenant, tais-toi, pour moi. Voilà. Pour moi, tais-toi. C'est mieux. Parce que quand tu parles là, ça nous énerve. Ou bien tu veux parler pas des choses qui sont... Oui, important pour la Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques, tout ça. Là. Arrête de parler d'une tchouin. Arrête de parler d'une que oh, C'est la femme de. C'est quelle femme de ton père? Faut arrêter tes conneries, hein? Tes conneries. D'après mon fils Marcus. Faut arrêter tes bêtises. On ne connaît pas Nadi Bamba. Qui est Nadi Bamba? Qui est Nadi Bamba? C'est vous qui donnez nom à des choses qui n'ont pas de nom. Oh, elle n'a qu'à aller chercher son mari. Elle est jeune. Elle, elle peut pousser quoi? Moi, on dit avec? Elle ne peut pas trouver mari. Et puis, elle a grippé au vieux. C'est quoi ça? Tu dis, tu es belle, il y a style dans ton corps. Va chercher un jeune. Tu n'as même pas 50 ans, tu es derrière le vieux. Va chercher un jeune. Montre que tu peux. Te... Là, là où tu es, même, tu peux faire enfant encore. En Afrique, là, les femmes font enfant en 40 et 50 ans. 52 ans, on a vu, elles ont fait enfant. Va faire enfant. Au lieu de l'être là, perdre ton temps. Parce que ça, là, tu ne vas rien gagner. Ma maman, elle est elle, crampée son mariage comme ça. Parce que nous, on dit si elle veut, sinon, on coupe ses mains. Elle est son point. Tu ne peux rien gagner dans quelque chose. Avant que tu, tu sois hein, ranci, là. <laughs> MZ Gourou, ta petite maman, avant qu'elle ne soit ranci, là, qu'elle aille chercher son, son génito de son âge, 52 ans, 50. Vous allez faire votre vie? tu es en train de grouper un vieillard avec une vieille dame laisse son mari tiens. la vieille dame même quand tu la vois même, oh non, elle est trop fante elle est trop belle toi même là on te regarde même, tu as tout fait maman Simone a belle forme tu es partie mettre gonflette dans fesse elle a belle partie gonflette dans le sein mais elle tout sourde si c'est moi même maman Simone même je vais créer des choses seulement je vais dire et tu vois, tu juste un jour beau, elle va s'exploser. Explose, tu nous fatigues. Arrête de nous ammiader. D'après maintenant, tu nous ammiades. Arrête de nous énerver. On a d'autres choses à faire. Oh, c'est pas possible ça. C'est quoi ça, cette hein, casse-bonbon là? Briseuse de couple. Voilà, c'est son nom ça. Nadi, la briseuse de coupe. Cherche-toi ton gars. Nous-mêmes, là. À nos âges, là. Si on laisse le, le moro qu'on a aujourd'hui, on peut prendre un jeune. On peut prendre un autre. Hein? Tu es là, tu es crampant. Oh. Laisse le gars, il va aller chez sa femme, là. Tu es là seulement. Ouais, c'est qui bien de lui elle est sa si, bouche. Hein? Mugabe a refusé. Mais, oh, même quand Mugabe, il s'entend, il ne voulait pas Cannes. Ah, tu viens infantiliser le monsieur devant les gens, elle s'en occupe bien. J'ai dit, faut tes Il faut tes Si tu sors, nous on sort de toute façon. Nous on n'a plus rien à perdre. <laughs> eh, on n'a plus rien à perdre. Ah bon? Si tu sors, on sort. Et puis on te met bien. On te frapponne bien propre. Et puis on est là. C'est toi qui vois. Hein. Ah bon? Michel, déçoit, Il descend. Ta maman l'a insulté ici. Tu n'as pas parlé. Tu sors, tu me dis, les plafon, déhina. Hein Où là, bas, Oreille, on dirait chose. Tu vois J'ai dit, j'ai trop honte de la, ma grande C'est ça, je ne parle pas aujourd'hui. Sinon, c'est que j'allais te dire, la Michel. faut arrêter, hein. faut arrêter. Il dit. faut arrêter ça, là. Parce que non, non, hein. Ah bon? Non, non. Je t'ai dit, hein. Il faut arrêter ça. faut pas venir nous emmerder. Voilà. Si tu dis rien, dis rien aussi, c'est pas grave. Reste comme ça. On met ça sur le compte, les enfants de Laurent Gbagbo, ils se mêlent pas de la police. Mais viens pas là pour sauter, sauter. On va te briser les pattes. Viens pas sur notre terrain, notre championnat pour sauter, sauter. Hein. Parce que là, là, c'est des dribbles terribles. Ah bon, on n'a pas le temps. Toi, tu vas venir. C'est-à-dire, toi aussi, tu es dans ça, là. À chaque fois, pour nous détourner du combat, toi, on t'envoie seulement, tu ne sais pas ici Ton papa dit il faut savoir t'envoyer. Il me montre on va te montrer comment on doit savoir s'envoyer. C'est ton papa qui a dit s'il si dit ça, là, toi qui es l'enfant même, tu ne sais pas t'envoyer, c'est grave. Ah bon, fais attention, Mary arrive là. Parce que nous, on a dégainé, hein. <laughs> C'est nous qu'on parle là, les gens ici. On va il faut se tranquille, va s'asseoir. <laughs> Quand on va pédaler, maman Bagbo prend. Non, bon. MC Gourou prend. Tout le monde prend. Hein? Black Modo, tout le monde. Dessin animé, qui va te voter pour être mère. Il faut arrêter. Avant que l'eau coule sous les ponts, il faut arrêter. Pense à tes deux, tes petites soeurs là. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Ou bien toi aussi tu veux pas que ton père vive? Celle-là va tuer ton papa. Tu sais ça non? Tu le pousses dedans seulement. Il faut arrêter. Arrête. J'ai pas envie de dire des choses que je vais regretter. Il faut. J'aurais honte. Il faut arrêter. Pour là j'aurais jamais honte. Parce que je vais l'insulter comme si j'ai mangé des cacahuètes. Madjebeli, la tête C'est ça. Nadi, dit je n'aurai pas honte, je m'en fous, parce que je la déteste. Ah bon? Vous allez voir la vidéo. Ah, quand ces oisignons là la haine, c'est ça. C'est ça, j'ai la haine. J'ai la haine parce qu'elle a gâché le combat. C'est ça, le but de ma haine. Non, j'ai marché plus de dix ans, et puis elle est venue ici prendre ça pour nous faire comme ça. Si on se retourne là, quelqu'un veut te mettre derrière. Si tu attrapes la baïonnette, tu lui fous ça dedans. C'est ça on est en train de faire. Ou bien. <laughs> ah, Naomi veut t'aider. Allez vous abonner sur ma page. Sur ma chaîne YouTube, Naomi veut t'aider. Cherchez, cherchez, allez vous abonner. Bientôt, on va faire le direct dessus. Parce que Facebook nous bras. Si je peux aller directement dessus, je fais mes direct dessus. Et ma page Facebook aussi, Naomi 20, dit, Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sur Facebook, quand j'aurai mille abonnés, je peux faire des directs à partir de là. Donc allez. Déversez-vous là-bas. Queen Affair Allez-vous déversez là-bas? <laughs> allez là abonnez-vous. Mobilisez vos amis de s'abonner là-bas. C'est quoi le combat? Michel nous emmerde. Il a trop, il nous casse les. Ah, il nous casse les trucs même. C'est quoi ça Un enfant qui parle pas, ok. Mais tu sors que pour dire des années, des sornettes. Simon bagou il a incité bagou. Oui, on a incité Gbagbo. S'il incite Nadi Mamba, Modia de Nadi Mamba, Niamorode de Nadi Mamba, c'est moi qui ai dit ça. S'il n'incite pas Nadi Mamba, s'il n'incite pas les aïe, c'est moi qui ai dit ça. Je n'incite pas bagou Qu'est-ce qu'elle a à voir avec bagou Rien à foutre de Nadi Bamba. Ça ne veut pas dire ça, arrêtez de confondre les serpillers et les torchons. Simon Gbagbo, c'est un drap en soi. Tu ne peux pas prendre ça pour rien. Mettre euh, ses pieds à côté, prendre ses pieds, faire l'idée de quelqu'un. Simon Gbagbo, c'est un drap en soi. Mm -hmm. C'est de la classe. Ce n'est pas n'importe qui. Ne mélangez pas Simon Gbagbo à Nadi Bamba. Non. C'est le jour et la nuit. Tu présentes une intellectuelle et celle qui a eu ses diplômes en roulant les jets de rein au lit, toi aussi. Respecter Simone Gbagbo, hein. ça c'est ma mère. Ma maman, <laughs> elle a beaucoup de millions d'enfants comme ça. Tu parlais de Laurent Bagbo. Ton papa, tu, dis, tu es, vous êtes ses enfants, mais il a des millions d'enfants. Mais tu as oublié que Simone bagbo a un d'enfants. d'enfants. Ah, même les autres parties, la main. Des enfants qui sont dans d'autres parties, ils sont bonnes de Simon Babou. Et de ça, on parle. Vous allez venir nous ambiancer dans des conneries. nourris. Hey! Hé! Arrêtez de nous emmerder. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Tu ne peux pas parler, tu es libre. Hein? Tu ne peux pas parler. Mon fils, le Renko Michel, soit salué depuis ta position. Michel il nous gonfle. Il nous gonfle. Il nous gonfle. Voilà. Aïe, Madeleine. quoi si, ma grande, bisous là-bas. Il nous emmerde. S'il ne peut pas parler, il parle pas. Tu te tais. Mais tu ne viens pas là. Hé, hey, t'exhiber devant nous. Hé, hein. hey, on n'est on est pas là pour voir des exhibitionnistes. Arrête de nous emmerder. Simone Babo, elle n'est pas Nadi Bamba. Voilà. Moi, je peux insulter Nadi Bamba du matin au soir. Et puis, ça ne chauffe pas, ça ne va pas choquer quelqu'un. Mais Simone Babo, tu dis, ça choque. C'est de ça, qu'on parle pas des conneries et des êtres humains, tu compares à ça. Des conneries. faut arrêter. Voilà. Aujourd'hui, là, j'ai dit, c'est tir des sommation. Parce on vient en guerre. Quand on vient en guerre, là, tu tires en l'air. Maintenant, si tu n'obéis pas, il n'obtempère pas, tu frappes. Là, j'ai tiré en l'air, Michel Babou. Quand je descends la mer, ça ne sera pas bon. Hein? J'ai dit, j'ai appelé. Quelqu'un qui est très proche de toi, que j'aime beaucoup. Mais comme la personne a éprouvé, j'ai dit, je laisse. Mais si tu t'amuses, petit, petit oreya si tu t'amuses, ça ne sera pas bon pour toi. Hein? Ah, bon. Tu as vu les là, Le peu seulement. On t'a montré échantillon. Échantillon. Quand on t'a montré les balou, nan balou, mes fils là. Les maman et dite, tout ça là. Mataba, c'est échantillon. C'est-à-dire, on t'a montré comme ça, on dit goûte un peu. D'abord, si c'est bon, et puis on va envoyer l'entrée. On t'a donné un petit bout de salade. Mais si tu t'amuses, petit, hein, tu connais, qu'on commence à en parler, on ne cherche pas à dire c'est enfant du président, il faut modérer. Donc, il faut arrêter. Moi, j'ai calmé beaucoup. Aujourd'hui, les gens, hein, Naomi, on va, j'ai dit calmos. On attend, laissez-moi partir à l'attaque. <laughs> La d'ego, j'ai dit, laissez-moi partir à l'attaque et je vais lui parler. Mais on réplique là, on se replie là, qu'on vient là. Ah, hein? le 1 comme ça, le comme ça, ce sera pas pour les enfants, hein? mon fils qui est là, là, le 1 comme ça, on va frapper dans tous les sens, tu vas pas... Tu vas, tu, vas, tu, tu vas laisser des plumes, Michel Babou. On s'est replié. J'ai dit, laissez je vais aller parler au moron. Au petit impoli, là, je vais lui parler. Je suis venu te parler. Mais si tu n'écoutes pas, c'est toi qui vois. Hein? C'est toi qui vois. Parce que quand on commence là, nous on tripe pas où. C'est-à-dire on frappe où ça va te choquer même fort. Donc, bon, gay. Bien. Tu es mon beau, ta femme là. C'est ma petite soeur, c'est ma fille, ma nièce. Donc calme-toi. Calme-toi. Sors des balles des sorciers là, sors de là. Tu as un avenir, il ne va pas t'englouter avec les, 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 les serpents, les lourignons, c'est les serpents, les damana picas, les pitons. <laughs> vous voyez pas comment ils ressemblent, ils ont tous rouge, rouge. Déjà, ils ressemblent au, comment on appelle ça, serpent bois, là. bois binos, là. <laughs> bon, famille, c'est votre soeur Naomi t'aider. J'ai dit ce qu'il fallait. Et puis on attend on attend on les on qu'à le il est dans notre viseur voilà on le suit se met partager la vidéo il va voir on le suit on le suit on le suit si il fait rêve là. I, non ça sera pas du ça se, on va faire du sale ce, <laughs> si, je vous aime que dieu vous bénisse qu'il vous accompagne dans tous vos projets et qu'il Ouvre les écluses des cieux pour vous. On est ensemble. Bisous là-bas. Bye bye. Love you.